北京市气象台连续发布了大雾黄色预警。空气的雾霾呢，昨天再次笼罩了我国的中东部地区。北京的周边华北以及西北的五个省市今天也介绍，今年以来中国平均雾霾日数为52年来最多。刚刚过去的10月份，中东部雾霾日最高发。Dans la brume, un rêve se produit. Un ancien, prétendant être Tao Yanming, arrive de la dynastie Jin. Il dit que l'empereur a construit le jardin Fanglin et qu'un millier de chanteuses s'y produisent. Qu'un riche a fait le jardin Jinggu pour plaire à sa concubine. Et que loin de la ville, un paradis nommé la source aux fleurs de pêcher existe. Une fois réveillé, tout a disparu et l'ancien n'a pas révélé où se situait la source. Je suis un citoyen. 真的，当你完全置身于一个那样的一个，就是想象当中的一个桃花源，也不会想你想象当中那么美好。我小的时候，在外婆家的那些，就是那些在葡萄藤下的，一家人一起吃饭，然后，有葫芦挂着，然后有蝴蝶飞来飞去，那种感受，有的时候会有一种，恍如隔世，或者说是一种。类似像桃花源的那种心目当中的那种感情色彩。只能在心里，就是一个精神避难所吧，它肯定是不存在的东西。13 ans après son retour définitif à la campagne, Tao Yanming, alors âgé de 53 ans, n'avait que peu de plaisir dans sa vie. Il buvait en face de sa propre ombre et était vite saoul. Il écrivait ainsi des poèmes pour se plaire. Le cinquième poème, des 20 poèmes sur boire du vin, je recueille des chrysanthèmes sous les haies. La montagne entre dans ma vue quand je me lève la tête. 4 ans plus tard, à ses 57 ans, il écrivit La source aux fleurs de pêcher, devenu désormais le plus beau jardin pour les Chinois. En septembre 427, au pied de la montagne Nanshan, au district Jiujiang, dans la province du Jiangxi, Tao Yanming est mort à 63 ans. Dans la mort qu'il avait imaginée, il ne sentirait ni le froid, ni la faim. La vie est limitée, plus l'imagination est splendide.
L'aspiration sincère de Tao Yuanming à la nature est comme une résonance de l'âme, toujours plus claire. Beaucoup de neige tombe au pied nord de la montagne Kuaizi, au Zhejiang. À minuit, le blanc domine entre le ciel et la terre. Wang Huaizhe pense tout à coup à son ami Dai Kui, habitant à plus de 50 km. Il part en bateau sur le champ. Le lendemain, à midi, quand son bateau arriva à la maison de Dai Kui, au bord du fleuve, au lieu d'entrer, Wang Huaizhe a demandé à son servant de le ramener chez lui. Plus tard, quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas entré, il répondit que puisque son souhait avait été satisfait, peu lui importait de voir Dai Kui. Est un nom important dans le milieu culturel de Taïwan. Il est mentionné souvent en tant que praticien du zen, musicien ou critique. Lui-même préfère dire qu'il est un vieux paysan joyeux.这个其实海拔差不多不到100公尺，可是你看上来以后，转个弯，就是另外一方天地，跟人生一样啊。人生有时就是你顺着它那样走啊，它就是世俗啊。你会转个身哈，其实不一定要有多少条件，每一转个身，我常常讲，你回眸一望，满目青山，然后每天就做老农老仆。 跟这些鱼啊，跟这些树啊，做朋友。你看这个纹路多漂亮，有没有？网状的纹路多漂亮。 这种鱼啊，叫落叶，就它的这个秋天的颜色。可这条落叶很特殊，你可以发觉它闪闪发亮，漂亮吧？带这只鱼的时候要很小心，大鱼啊，拿起来一定要完全平稳，只要有一点点遮到，就完蛋。 他们啊，真的养鱼的，会有一个哈、啊、小小的渔网，是长形的，然后这个是固做的，它就让它整个进去，鱼没有见到光的时候就不会乱跳，就不会，如果我们不常弄，所以就没有那个设定。 安全。 大鱼一个人没办法，很不容易就把它，一不小心就把它弄死。
Bouffant est connu parmi ses amis en tant qu'éleveur de koi. Il offre souvent des poissons au salon de thé Xi'an de son ami Li Mihui au mont Wuzhe à Taipei.在台湾养锦鲤的人有这样一个习惯，就是家里总会养一条比较暗色不张扬，可是却有着一定大气的这样的一个鱼。从一种美学来看的话，或者一种人生的修养来看的话，把一种不张扬、精华内因的东西当成最宝贵的，其实也是一个蛮好的念题啦。所以原来。 这一条鱼在家里就比较特殊，我就想说，如果饲养这个新的空间好以后，就我就把它送去当成一个新居落成的礼物嘛。叫人来帮忙搬一只大鱼，要先放在这，这以后是大鱼，有一只，要两个人哦，要两个人。 哇，你这多家，而且制成鳞片了，它这个真的像王者之尊，对不对？它这样子咯，嗯，而且这种尤其秋秋嘛，它这个秋秋是银鳞秋，会闪闪发亮，银色的，而且你看那个网络，颜色很少看，很少看，网络，啊，这个一定要在水清的地方，你要先放到，先放，现在还不能够把鱼抓出来，因为要。 把水温里外的水温啊，你看这些都是我的鱼，这多大？你看，我们半个钟头以后再来，再来。这个地方其实就是一个我们运动的原理，因为它不是自然，可你看，而且它跟自然的对接多好。第一个是，无论是跟原来的野溪是合在一块，有些地方它没整理过的这个自然的林木也是合在一块的。我在谈饲养的。 三个地点的时候，谈到在阳明山上，你没有去过的，我说是当代的网川，可以达到一种极致。可是到了这个地方，它已入未尽，所以田园不再是隔起来的，啊，它就是人跟自然呼应之下，或者甚至更甚的一体之下的产物。所以在这个地方，园林是使人回归自然。 Le salon de thé Xi'an a été conçu par le propriétaire Lin Minghui lui-même. Délicat, mais pas sophistiqué, son espace est plein d'esprit zen et de l'essence du jardin chinois. Des amis lui rendent visite, souvent, dans la montagne. En 383, après la bataille de Feshui, Wang Huizhe s'est rendu à la capitale, à son poste de valet de l'empereur. Quand son bateau abordait la rive, un char splendide passa sur le quai. Il demanda à son ami qui c'était. Son ami lui dit que c'était Huang Yi. Honoré par ses exploits pendant la bataille de Feshui, ce dernier partait prendre le poste de préfet de Jiangzhou. Sachant que Huang Yi était musicien, expert en flûte, Wang Huizhe a demandé à son ami de l'inviter à jouer un morceau. Son ami hésita, mais Wang Huizhe lui dit qu'il n'aurait qu'à y aller. Le message reçu, Huang Yi a regardé le bateau pendant longtemps, puis le son de sa flûte s'est lentement élevé.
Le morceau que Roigny a joué était sa propre œuvre, trois variations sur les fleurs de prunier. Quand la musique s'est arrêtée, Wang Huizhe n'a pas retenu le musicien non plus. Les deux se sont quittés, sans échanger une parole.我想自然这两个的是原来在中国一拿起来说就有两层的意义在，一层就是自自然然，就是你不假做作，所谓的哎趁兴而来，兴尽而返，何必见待？你原来一个念头想去访自己的老朋友。 一路走，却忘记了两岸雪景，两岸的月色。那么，访问朋友还可以下一次，这个当下的月色，却是人生唯一能把握的。 La saison de la récolte des orchidées dure de l'automne au printemps. La montagne Lanzhou à Shaoxing est connue selon la légende comme le lieu où le roi Gaudian a planté des orchidées. De nos jours, avec la popularisation des serres, les cultivateurs d'orchidées montrent rarement dans la montagne pour cueillir des orchidées. Même dans la forêt, près du pavillon des orchidées, on voit rarement d'orchidées sauvages. Sous les dynasties Qin et Han, un pavillon était installé tous les 5 km. 10 pavillons englobaient une commune. Le pavillon près de la montagne Lanzhou, abritant les messagers gouvernementaux, a été nommé le pavillon des orchidées. Sous la dynastie Jin de l'Est, ce pavillon s'est transformé d'un relais de poste
en jardin privé de la famille de Wang Xizhi. Au printemps 353, le préfet de Kuaidi, Wang Xizhi, 33 ans, et 42 lettrés se réunirent au pavillon des orchidées. À l'amont d'un ruisseau serpentant autour du pavillon, on mettait des coupes et on les laissait descendre. Comme le courant était instable, les coupes s'arrêtaient. La personne devant laquelle une coupe s'arrêtait devait composer un poème, sans quoi il buvait 750 millilitres d'alcool comme punition. Ce jour-là, 16 personnes ont été punies pour ne pas avoir pu composer de poèmes. Alors que les 37 poèmes écrits ont été compilés et sont devenus le recueil du pavillon des orchidées. Il y a 1660 ans, le propriétaire du pavillon des orchidées, Wang Xizhi, légèrement ivre, a écrit la préface au recueil du pavillon des orchidées. Ce jour-là, il fait beau, le vent est tendre. Regardant vers le haut, je vois l'immensité de l'univers. Regardant vers le bas, je vois les êtres nombreux sur Terre. Cela m'évoque le goût de la vie. On est toujours mélancolique en lisant les émotions des anciens. Pour les gens du futur, nous serons aussi comme nos anciens. Le temps évolue, les choses changent, mais les motifs des sentiments, les idées et les goûts restent toujours les mêmes. Les poèmes feront aussi écho chez les futurs lecteurs. La préface au recueil du pavillon des orchidées est non seulement une œuvre de calligraphie ou une poésie, mais aussi une orchidée, un jardin chinois nommé le pavillon des orchidées. Dans l'histoire de la Chine, les dynasties Wei et Jin sont les plus proches de la nature. Une forêt de bambous, un vers décrivant le recueil des chrysanthèmes sous les haies, le morceau de musique « Trois variations sur les fleurs de prunier » et la préface au recueil du pavillon des orchidées. Le prunier, l'orchidée, le bambou, le chrysanthème et une source aux fleurs de pêcher sont des symboles éternels parsemés dans tous les coins du jardin chinois. La philosophie de la nature des dynasties Wei et Jin a influencé l'intention initiale et le vrai sens des jardins chinois ultérieurs. Avec le temps, le vrai sens est devenu le jardin raffiné à l'intérieur des murs.
Si le retour à la nature est l'intention initiale, construire un jardin est pourtant une décision obligée. Qu'est-ce que le Tao ? Le Tao représente les fleurs du printemps, les oiseaux de l'été, les érables de l'automne, les neiges de l'hiver. Le Tao, c'est la nature.现代文明也主要是百来年的光阴，就是你抽离泥土，在我们那长远的千万年中间，我们都是跟泥土在一起的，也就是到了近代文明构建出一个比较自我封闭的世界之后，才会使得人能够看似最少外表看似离开自然而生存，可在我们的基因里，这么长久的历史，无论从自然从文化，你永远都是。 自然的一环，所以回到自然其实是一个生命的一个重要的安顿之道了。这一点古今同一，人人心底的桃花源跟外在的这个所谓的大千世界其实是同一件事。你如果这里面你有这一个，就刚刚才一花一叶之中，你就可以找到你桃花源所在。 Dynastie Jin de l'Est. Un pêcheur de Wuling navigue le long du ruisseau sans se rendre compte qu'il est déjà loin. Tout à coup, il voit une forêt de pêchers. Très étonné, le pêcheur continue et cherche la fin de la forêt. Là, il trouve la source du ruisseau et une montagne avec un trou éclairé par lequel il entre en abandonnant son bateau. Au début, il est très étroit et ne permet l'accès qu'à une personne. Des dizaines de pas après, tout s'ouvre. Le terrain est vaste et plat, les maisons disposées en bon ordre. Il y a aussi des champs féconds, de beaux étangs, des mûriers et des bambous. Les sentiers se croisent sur les champs. On entend les poulets et les chiens. Les gens travaillent dans les champs. Leur habit et tout comme celui des gens de l'extérieur.